en réflexion, en beauté. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde dans sa lumière. Ngasera Adonis, n'aie qu'à répondre à la question et tout ami, na frère le prince. Question moko vraiment moutouya, ils ont ici mis son jeunesse, pena Lévitique 11. Na ba loi ou épesami, y a régime alimentaire. Oui, en tout cas. Nandenge na lundi émission bien na question à Tuni quatre questions. Na quatre questions on a na ko répondre. Na première question Isali, la est-ce que la croix de Jésus-Christ ou les sacrifices de Jésus-Christ a nié les régimes alimentaires de Lévitique 11? Oui. La croix de Jésus-Christ et le sacrifice a nié tous ces régimes là de alimentaires de Lévitique 11. Soit au tangi na mokanda ya Galates 3:13, il a été écrit que Jésus-Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Totangi na mokanda Colossiens 2:14, il a effacé l'acte donc les ordonnances nous condamnaient. Donc tout a été annulé en travers la croix de Jésus-Christ, en travers ses sacrifices. Donc maintenant, n'attend où il faut toujours vivre, puis n'attend où on a. Et ça dit que l'important ce n'est pas ce qu'on mange. L'important c'est comment on le mange, quelle attitude que nous posons, quelle pensée avons-nous. Donc, il y a un grand nombre de choses à compter pour y ait ce que cette corps que nous avons, c'est le corps de Christ. Il y a une avant-dicate inabissable. Donc, au vent d'un katinabiso, donc, on doit l'apporter des offrandes qui donnent un parfum de bonne odeur. Et ce parfum de bonne odeur qui est dès le commencement de la terre qui a été dit que l'homme ne mangera que des choses qui ont été cultivées de la terre. Les herbes, les fruits. Le premier né, Adam, était végétarien. Le deuxième, né, qui est sorti de l'arche de Noah, qui était Noah, n'était pas végétarien. Donc, ce qui t'ozongi bien, tant ou moins qu'il est bandaki, Dieu était satisfait, comme il avait créé, que l'homme ne devait que manger ce qui a été cultivé de la terre. Pour cela aussi, cette offrande qu'il a aimée de cet enfant, qui a été tué, cette offrande qu'il a donnée des choses qui a été cultivées, de son première cultivation de la terre, il a donné cette offrande. Donc c'était un sacrifice qu'il a donné, une offrande de bonne odeur à Dieu. Et Dieu a préféré ça. Ce qui est dans le verset mot dans la Bible, a été écrit que Dieu préfère les offrandes qui ont été cultivées de la terre. Donc, pour dire que cet corps n'attend autre vivre. Tout est permis. Car tout en travers Jésus-Christ, toutes ces choses-là, de viande-là, des animaux-là qui étaient impurs ou impurs, a été annulé. Donc, dans ces temps-ci, nous avons une liberté de choisir, de connaître, être conscient que ce corps que Dieu nous a donné, quelle offrande pouvons-nous donner à ce corps qui est le corps de Christ. Parce que c'est yende mutavandi katinabiso. Donc, nous sommes au côté de ça, dans mon konabiso. Ils ont les kawapi. Ils ont kende wapi. Ils ont salanine dans nous autres, oh, yes, nzamba pesi biso, to tambola, ah, na mokilio, to sa l'expérience, oh, yo, pour to vivre longtemps. Donc, moutou, oh, yazo liya ba viande, oh, yo, ils allient, ils ont salamé dans mon kilo, bah viande ou ils ont impure ou impure, donc ils allient que azo lokaliwana yé rapide. Moutou ou ils ont lié des choses qui sont cultivées de la terre, à quoi vivre plus longtemps, puis à quoi monter, bah vibration naïe, à quoi ça la bonne santé, par rapport à moutou ils ont lié bah viande koleka. Dans l'avenir, dans un certain âge, abandonné la maladie moko, la maladie oka kezo, tanga manamukili oyo. Donc, yango Dieu préfère
que l'homme lui donne une offrande qui vient de la terre. On est allé, première question. Oyo, et tunamaki. La deuxième question est allée. Est-ce que misala Yesu est salié que nous pouvons manger les animaux purs ou impurs? On est à deuxième question. Réponse n'anglais ali non. Suite au tangi na mokanda à Genèse 9:3-4, il oublie que Dieu avait déjà permis à Noah de la sortie de l'arche qu'il pouvait manger de la viande. Non de la viande du sang, non de l'animal qui avait de la vie, mais il pouvait manger de la viande cuite. Donc, de la même manière qu'il avait ordonné dès le commencement à Adam et Ève qu'ils pouvaient manger des herbes vertes et de se nourrir. Et de la même manière aussi, il a ordonné à Noah, dès son sortie de l'arche, qu'il pouvait manger de la viande. Donc, ce n'est pas de misala Yesu que salieke, bisotoko makolia lelo, la viande. On est à la deuxième question. Toke na troisième question, isalieke, on peut manger tout dans le marché. Est-ce que c'est dans ce contexte-là que le message a été donné de la loi alimentaire? Oui, parce que dans ces temps, les hommes ont fait une mauvaise usage à l'image de Dieu. Batubakoma qui faut abuser dans leur comportement, yakolia n'importe quoi, yakosala n'importe quoi. Donc cette loi a été nécessaire qui devait être donnée pour que les hommes puissent comprendre que cette viande qui est impure, cette viande qui est pure, et ça on peut faire, ça on peut pas faire. Donc c'était très important que cette loi a été donnée dans cette époque-là. Wanezali, troisième question. Quatrième question, Isali, combien des animaux ont rentré dans l'arche de Noah? C'était un peu question moko difficile. Pour la Bible, comme mis la verset mon côté na selon na ou matangi, combien précisément animal ou kota qui dans l'arche de Noah, mais c'est que Dieu a dit que dans chaque animal, que ce soit mâle ou femelle, que ça soit 7 femelles, que ça soit 7 mâles, donc ça fera 14. Et combien d'animaux y a-t-il ici sur la terre? Tout compte ba insecte nyoso qui vient de la terre, ba oiseau, o nyoso ba pumbaka, o nyoso bazana kati ya mai. Donc c'est au compte ba nyamana nyoso, donc baza tellement ébélé, selon ma recherche nangai, et pesa ki 5000 animal. 5000 animal wana à côté, il y avait 1744 insectes espèces oyo ba se reproduisara bango moko, donc ils n'avaient pas besoin de un femelle ou bien un mâle pour se reproduire. Donc yangwana et pesi au total 5000 o ba kota ki na kati ya arche de Noé. Donc yangwana réponse nangai na toutes les quatre questions. J'espère que na ba question ou yotuni na ba réponse ou ngana pesi et koki na niveau ya que bo comprendre ngai na maloba. En tout cas, nzamba batela bino nesika bo kutami. Merci na kolanda na bino émission à réflexion, émission moko ezoko pesa biso mayele, ezoko faire réfléchir biso, ezo faire biso ba recherche moko na ba question ou même pas ko tezo le kana makanisi na biso. En tout cas, que Dieu bénit le frère Lumière, Dieu bénit la sœur Rebecca ou bazo présenter mission ya réflexion. Nzamba batela bino a couvrir bino na lumière na ye et que cette mission évolue encore de plus c'est comme c'est mais eko mangsus mune ne koleka. Merci na bino au Bolandi. Nzamba batela bino, au revoir.